Lundi de l'impro, c'est l'année pour tous les prosélytes, les évangélistes et tous ceux qui aiment le isme et les schismes. Tu sais quoi? Écoute ça. Va jeter ta bible si tu fais pas la part des choses. Que tu sois spirituel ou que t'aimes ça à petite dose. Crois pas tout ce qu'on dit comme si t'étais sous hypnose. C'est qu'un bout de papier vient pas ouf pour de la cellulose. Faut guère de religion, je crois qu'il est temps de faire une pause. Aucun a raison, donc la discussion est close. Va jeter ta bible si tu fais pas la part des choses. Et pourquoi pas Raël ou le magicien d'Oz. Je m'explique avant qu'il y en ait qui prennent la mouche. Tellement de débats pourris que je reste plus sur la touche. Vu de loin, leur histoire déjà me semble bien louche. Vu de près, je te dis direct, tu peux fermer ta bouche. Y'en a marre de vous voir croire comme des grenouilles de bénitier. De dire mais mec, tu comprends pas vu que t'es pas un initié. Les religieux aujourd'hui sont bien trop désinhibés. Ta liberté de culte, ma liberté de la critiquer. Va jeter ta bible si tu fais pas la part des choses. Que tu sois spirituel ou que t'aimes ça à petite dose. Crois pas tout ce qu'on dit comme si t'étais sous hypnose. C'est qu'un bout de papier viens pas ouf pour de la cellulose. Faut guère de religion, je crois qu'il est temps de faire une pause. Aucun a raison, donc la discussion est close. Va jeter ta bible si tu fais pas la part des choses. Et pourquoi pas Raël ou la métempsychose. Le concile de Nicée pour la petite confidence servait à virer les textes ayant des incohérences. Pour donner au dogme occulte un petit peu de consistance. Et à Constantin plus qu'à son dieu toute puissance. La rigueur des textes soi-disant révélés se dilue dans le travail des copistes peu scrupuleux, n'hésitant pas à agrémenter les légendes pour relever le piquant de ce texte de propagande parfois ennuyeux. Donc dis-moi pourquoi aucun évangéliste n'a connu Jésus. Pourquoi d'un homme n'a-t-il que peu d'attributs. Et pourquoi j'étais bourré chaque fois son sang j'ai bu. Pourquoi s'il est mort pour nous on cherche encore notre salut. Va jeter ta bible si tu fais pas la part des choses. Que tu sois spirituel ou que t'aimes ça à petite dose. Crois pas tout ce qu'on dit comme si t'étais sous hypnose. C'est qu'un bout de papier tient pas ouf pour la cellulose. Vos guerres de religion, je crois qu'il est temps de faire une pause. Aucun a raison, donc la discussion est close. Va jeter ta bible si tu fais pas la part des choses. Et pourquoi pas Raël ou la métempsychose. Vaut mieux jeter ta bible si t'as rien dans le ciboulot. Si tu lis pas entre les lignes ou derrière les mots. Si tu la brandis que pour gueuler contre les homos. Si t'es prêt à tout gober quand on te joue du pipeau. Tu donnes des leçons d'histoire mais t'y connais pas grand chose. Tu passes ton temps à citer les versets jusqu'à l'overdose. T'en saisis même pas la symbolique, c'est l'apothéose. Bref, viens pas me saouler, j'ai déjà eu ma dose. Va jeter ta bible si tu fais pas la part des choses. Que tu sois spirituel ou que t'aimes ça à petite dose. Crois pas tout ce qu'on dit comme si t'étais sous hypnose. C'est qu'un bout de papier vient pas ouf pour la cellulose. Vos guerres de religion, je crois qu'il est temps de faire une pause. Aucun a raison, donc la discussion est close. Va jeter ta bible si tu fais pas la part des choses. Et pourquoi pas Raël ou la métempsychose. Ouais, parce qu'il y en a qui feraient mieux d'aller jouer à Medal of Honor ou des conneries comme ça, plutôt que prier leur veau d'or. Sin yeah. Raga Rage, again and again and again and again.